De retour, bonjour à tous. Du coup, je vous fais juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, aussi, je vais aussi vous remercier de vos commentaires sur la première vidéo, justement, du train. Et surtout, je pense, de mon retour. C'est vraiment cool et vraiment, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait pas grand-chose sur le réseau. J'ai juste nettoyé toute cette partie-là pour commencer à préparer pour pouvoir faire mon atelier maquette. Alors oui, je vais continuer à faire des maquettes. C'est plutôt sympa à faire. Et je vais continuer à faire ça. Après, j'ai tout enlevé ici, tout nettoyé. Ce qui est bien ici, c'est que j'ai des fenêtres. Ce que j'avais pas dans mon petit atelier. Et les fenêtres, franchement, c'est vraiment plutôt cool. Ça va changer un petit peu la vie. Du coup ici je vais voir cette semaine si je peux acheter une planche, parce que là je vais mettre une longueur de planche pour pouvoir réceptionner tout mon petit matériel, mes petits tiroirs Hobbyzone, ça va faire plutôt joli. Ici je vais pouvoir mettre tout ce qui est peinture. Alors soit je le mets ici, je perce un trou, je peux évacuer l'air extérieur, ou soit je le mets de ce côté, je peux aussi évacuer l'air extérieur. Donc à réfléchir, je vais réfléchir un petit peu à tout ça. Mais là, tout d'abord, cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter cette planche là qui va aller à peu près d'ici, hop, à ici, et ça fera un grand plan de travail pour pouvoir faire de la maquette. Et ça va être super cool. C'était juste pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai eu quelques commentaires, j'ai eu un commentaire d'ailleurs constructif que je remercie. Je vais mettre du liège. On revient sur le réseau. Je vais suivre ton conseil, je vais mettre du liège pour pouvoir rehausser les rails. J'ai assez de liège, en plus j'ai ce qu'il faut normalement, et comme ça fera une petite rehausse et ça peut être sympa après pour mettre, vous savez, tout ce qui est petits cailloux là, tous ces petits trucs. Ensuite, après, pourquoi j'ai pas fait des modules? Alors pourquoi? Parce que justement moi je commence, je suis novice, et c'est vrai que j'aurais pu très bien faire des modules, mais mon sol est pas super droit, donc c'était un petit peu galère à tout caler. Sachant que ici c'est un peu démontable, hein. Voilà, là je peux démonter cette partie là et je peux démonter cette partie là. Vous voyez, ça fait comme si que là il y avait un module. Faut que je mette ici en dessous une planche ici là, tac, pour pouvoir mettre mes caisses, tout ce qui correspond au train, quoi, en fait. Alors oui, donc pour moi ça me paraît plus simple de faire ça directement. Que faire des modules. Après, c'est vrai que si tu déménages, c'est beaucoup plus facile à ranger les modules. Mais bon, ne serait-ce qu'une fois que tu déménages, il faut trouver la pièce aussi pour te remettre au niveau des modules. À moins de stocker ça dans une cave ou je sais pas où, stocker ça à un endroit. Même comme ça, si tu t'en sers pas, à mon avis, les rails, tout ça, ça doit un peu s'abîmer, je pense, dans le temps. Mais en tout cas, merci bien pour ton commentaire, c'est vraiment super cool. C'était juste pour vous faire un petit briefing de ma journée. Mais en tout cas, merci beaucoup. Bon les amis, je vous dis à bientôt, à plus, salut, ciao ciao.